Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlogmas. Ce matin c'est trop dur, genre je sais pas pourquoi, c'est très très dur. Oh là mon cœur. Mais tu t'es emballé sur la cannelle là. Mais c'est pour que ça passe. Non, mais regardez. C'est très bon la cannelle. Non, mais mon cœur, mais c'est pas possible. Du coup, je suis tellement dans le mal ce matin que je dis à Sam, franchement, je crois que je suis prête à faire un café, à boire un café. Et du coup, je lui ai dit, pimple-moi, genre, tu m'as mis du lait d'amande et tout. Je t'ai fait un genre cappuccino lait d'amande avec une crème chantilly, cannelle et... Genre... Papa. Trop stylé. Mais ça, ça n'a même pas goût de café. Ah, oh, pas possible. Ah non, les gars, c'est vraiment pas possible. Oh là, je sais pas comment vous faites ceux qui aiment le café. Je veux pas. Je crois que je serai jamais une adulte pour ça. C'est terrible. Timité pour la vie. Du coup, je vais me préparer pour aller au bureau, mais il fait nuit dehors. Il pleut, genre vraiment, je sais pas ce qui se passe depuis des jours là. Oh, on a un temps. On n'est pas habitué à ça, bien sûr. C'est Bibi Tiny. T'es un chat? C'est des petites griffes de chat? Non. Vas-y, casse-partout, touche maman. Oh, c'est vrai, ça fait comme des petites griffes, c'est trop marrant. C'est bizarre. Bon, je reprends que maintenant, c'était un petit peu la course. Il y a mon pépi qui est là, qui n'est pas attaché parce qu'en fait, on a fait un transfert de voiture puisque Samuel dépose celle-ci chez le garagiste. Donc, je l'attends, là, il est en train de la déposer. Et ensuite, on va s'attacher et on va partir au bureau de maman, déposer maman. Et après, vous allez rentrer à la maison. Mais on va aller au taureau. Au taureau? Il y a une petite balade où on voit des taureaux et des chevaux près de chez nous. Ils aiment bien y aller avec Sam Sam. Du coup, c'est une matinée qui va être un peu chamboulée parce que de base, on avait un shooting photo ce matin. Et en fait, la lumière est tellement pourrie que... On va aller chez Nana et Papou. Tu vas aller chez Nana et Papou ce week-end, mon cœur. La lumière est pas ouf, du coup, on a annulé le shooting avec Mathilde. T'as fait un canon à chocolat qui lance des gâteaux au chocolat. Ça, c'est le rêve. Et qui nous vient là, voilà. Le plus grand des tamanoirs. Papa. Est-ce qu'il est attaché, mon bébé tamanoir? Non, pas attaché. Allez, on s'attache. Vert et vert. C'est vert et vert. Ça veut dire que c'est bien installé. Ça veut dire que tu es en sécurité. Regardez ce qu'on a reçu. C'est incroyable. Ça s'appelle le doux fruit. Je vous mettrai le compte Instagram en barre d'infos parce que franchement, ils font des créations incroyables. Et c'est un gâteau qui va servir pour un shooting pour les 10 ans de... Bah des réseaux, hein. Ça fait 10 ans que je suis là, donc du coup j'avais envie de de marquer le coup, quoi. On va pas le shooter tout de suite, mais elle nous a dit qu'il allait tenir le coup, il faut absolument qu'on le mette au frigo. Mais c'est magnifique, je tenais vraiment à vous le montrer, parce que toutes les fleurs sont faites à la main, genre en pâte à sucre et tout. 24 heures de travail, c'est incroyable. Trop joli, merci beaucoup. C'est l'heure de manger, j'ai mangé ma petite part de Samuel, il m'avait fait une pizza avec une pâte à base de chou-fleur. Claire, elle mange des patates avec du poulet, de la moutarde et des champignons. Non, des pâtes. Des pâtes. Ah, des pâtes. Pâtes poulet avec de la moutarde à l'ancienne et des champignons, c'est pas la vie. Moi, je kiffe trop ça. J'aime pas les champignons ni la moutarde, donc je pourrais pas être vraiment trop objectif sur cette histoire. Oh là là, ce fond dedans, il est incroyable. Je vous mettrai la recette en barre d'infos parce qu'à chaque fois, vous la demandez. Sans sucre, sans farine. À base de pas beaucoup d'ingrédients en fait. Poudre d'amande, œuf. Non, il m'a dit que cette fois-ci, il avait rajouté de la crème fraîche. Non, c'est vrai. Je te jure. Et franchement, incroyable. Regardez ma petite Cléro, elle est pas entourée de carton. Franchement, là, s'il y a des ruptures de stock, on sait plus quoi faire. En fait, pour vous montrer un petit peu en avant-première, bon, déjà, on a restocké tout ce qui était les jeux. On sait qu'ils vous ont beaucoup plu. C'est la marque Me & Mine, ils font des trucs hyper cool. C'est fabriqué à Barcelone. Et voilà, on adore ce qu'ils font. Donc, on a repris ce qu'on avait déjà, on a ajouté des choses. Et surtout, on a restocké Eco Egg. C'est ce que Claire est en train d'ouvrir aussi, on en a partout. Et du coup, voilà, on va restocker. Et on a aussi rentré une nouveauté parce qu'on avait des œufs de séchage, des œufs de séchage. Et on avait la version sans parfum ou fraîche coton. Et on a pris la version Spring Blossom qui est un peu fleurie. Donc ça c'est les boîtes complètes et vous avez aussi les recharges. Mais je pense que c'est ce que Claire est en train d'ouvrir. Et dans les nouveautés de la marque Me & Mine, je vous montre en avant-première parce qu'il est vraiment trop joli. Regardez-moi ce tangram, il est trop beau. J'adore leur packaging. Enfin, on a plein de trucs. Hein. On a les bivraps qui reviennent. On a une nouvelle marque qui rentre qui s'appelle Grums qui est trop bien. Mais du coup là c'est la partie déballage et restockage. On va tout recompter. Pour pouvoir remplir les petites boîtes. Je vous retrouve, il est 18h56, je viens de rentrer à la maison, mon petit pépi. Il mange ses petites... C'est quoi ça? Ces petites boules au fromage. Voilà. Ça sent bien le fromage. J'ai reçu des colis. Je vais vous le montrer. C'est la marque Coro, j'adore cette marque.
c'est pas une OP, j'ai été en OP avec eux il y a des années. On a pris des pépites de chocolat pour la pâtisserie, parce qu'ils en font aussi sans sucre, donc j'ai pris 2 kilos. Et j'ai pris de la poudre d'açaï pour faire des trucs de smoothie bowl, parce que je trouve qu'en surgelé c'est pas pratique du tout, ça prenait une place de ouf. Ouais. C'était un colis pour Noël, donc on le mettra sous le sapin. C'est bon mon car ? Tu veux quoi ? Manon. Tu veux mettre sous le sapin maintenant ? Mais c'est pas ce sapin là, notre sapin de Noël mon car, c'est le sapin de Nana et Papou. C'est fini le vendredi soir, on faisait la fiesta. Bon, c'est le vendredi soir paperasse, il est 22h19, je fais des papiers, des trucs sur mon ordi là. On a reçu un colis, mais on n'était pas du tout au courant qu'on allait recevoir ça. C'est des produits de la marque Rivadouce. Le premier c'est un shampoing odeur framboise et le deuxième c'est un shampoing odeur pêche pour Gaspard, sauf que Gaspard déteste se laver les cheveux, genre vraiment c'est le truc qu'on fait hyper rarement parce que c'est très compliqué pour lui, donc évidemment quand il a les cheveux trop sales on le fait, mais c'est vraiment un supplice pour lui et donc pour nous, donc j'avoue qu'on prend des textures un peu sympas. Ça dure longtemps parce qu'on joue. On se fait de la barbe avec la mousse, tu vois. J'ai reçu un de mes cadeaux de Noël. Je crois que c'est de la part de ma belle-maman. Elle m'avait pris sur ma liste, je crois que c'est elle. Comme elle habite en Suisse, bah, elle pouvait pas me le donner, donc je pense qu'elle l'a fait envoyer ici. C'est un petit turban pour les cheveux, je vous en avais montré un, mais celui-là, il est vraiment pour le séchage rapide, mais c'est trop bien ça. J'adore les turbans comme ça pour quand tu sors de la douche. Et là, je crois que c'est un cadeau pour ma grand-mère que je viens de recevoir. C'est un pull en cachemire. Je vais pas le déballer, je vais au contraire le mettre de côté pour pouvoir l'emballer le jour J. J'ai reçu aussi son petit album photo. Ça commence à être bien plein cette histoire là-haut. Je sais pas trop comment on va faire.